grosse salutation pour chaque grand monde qui toujours prend le soin pour suivre l'information qu'il a diffusée sur www.santelacaille, ou du moins sur page Facebook Équipe Haïti par Santé Lacaille. Donc, fois ça, nous pas venu porter un sujet sanitaire quelque peu, nous pas venu parler de nos maladies, mais nous venons faire le point, ou du moins nous venons essayer ou quelle solution qui est capable de gagner pour le pays à capable de doter d'une plus large couverture sanitaire. Là, nous avons fait un mariage entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. À mon avis, je pense que c'est un sujet qui est assez important. C'est un sujet que MSPP a dû mettre en plus l'accent sur lui. Parce que je pense que la médecine traditionnelle a toute importance dans la population haïtienne. Si nous sommes capables de tenir compte, c'est avec la médecine traditionnelle en fait, nous avons commencé. Je suis Salim Genzon, bonjour. Je Baptiste Mikendi, bonjour. Donc, nous allons parler de. Rapport qui gagne entre médecine traditionnelle avec médecine moderne en Haïti et qui rôle MSPP une façon pour intégrer les gens, nous les soins beaucoup, nous les médecins, etc., nous les des guérisseurs, donc une façon pour être capable d'améliorer le système de santé en Haïti. Bonjour, collègue. En fait, Jean qui vous dit là, et si nous tournons dans le passé, nous avons regardé la Chine, il y a un pays, premièrement, qui était prend la médecine traditionnelle là en main et on voit qui résultat là. C'est pour montrer que la médecine traditionnelle a lui-même gagné une importance accrue dans une société, surtout dans une société côté économique du petit Jean bas et nous très en retard avec la médecine moderne. Ça fait moi dire important, la médecine traditionnelle là, nous t'a supposé prendre en main bon, le ministère de la Santé publique. Ils ont parlé de ça déjà, ils ont fait conférence de ça, même parce que c'est une bagarre qui est importante, c'est la médecine traditionnelle là, mariage là. C'est ça que je pense que. Avec médecine moderne. Voilà. Ouais. Concernant la médecine traditionnelle avec médecine moderne, là, et il y a un monde en Haïti, dans le cas côté que nous avons un pays qui est très pauvre, et il y a un peu de monde qui n'a pas rien pour acheter un médicament, pour acheter un médicament en pharmacie, soit pharmacie à trop éloignée, tout ça. Mais la plus facile que dans la commune, de joindre une feuilleté. Mais le problème qui vient de là, que vous n'avez pas feuilleté ça là, pour l'état bouillir, c'est à qui dose. Ça arrive que vous n'avez pas une trop grande quantité et que ça peut-être qu'a causé un impact négatif sur la santé de vous. C'est ça qui fait que le ministère de la Santé publique et la sécurité de l'État ont pile intérêt pour que l'État fasse une intervention sur les affaires médecines traditionnel dans le pays nous et les sacs que parce que là ils ont bénéfice pour tout pour en général. Gagnons la méthode de t'essayer d'envoyer dans par rapport manière exactement mais ça t'est commencé marcher là ils ont fini mettre ça comme si ils ont fini quitter ça donc de te faire formation pour ensemble des séries de matrons on s'est pour nous participer dans cette tradition là et monsieur majorité population sont matrons qui bat naissance mon nom est les femmes sages. Les femmes sages qu'on a formées, c'est son spécialité. Oui. Et après, vous faire sciences primaires, donc on va faire femmes sages, son spécialité. Mais les gens qui ont les matrons dans le milieu rural, les gens qui ont les femmes sages, donc les gens qui ont joué, ils ont le capital. Et moi, la majorité des mamans qui ont naissance à petit dans la section communale, c'est les matrons qui ont naissance. Mais en plus, là, de l'autre côté. En plus, là, de l'autre côté, ça, c'est pas forme de connaissance. Manque d'information. Qui ça, le ministère de la Santé publique, t'a fait? Il a commencé avec un programme, il a formé le matron. Il a dit, mais comment va aller? Mais qui cas qui pour vous? Mais qui cas qui pas pour vous? Sur le cas, côté que vous n'avez pas couché, il y a plus que 4-5 heures de temps, 6 heures de temps, depuis là avec douleur, avec tranché, et que si vous n'avez pas couché, donc fonge, menez l'hôpital. Et pour ça, il y a eu un prime, de façon, les gens qui menaient plus dans l'hôpital, donc chaque année, ils vont compenser. Comme ça, le matron n'a pas obligé de perdre du temps avec un monde, par exemple. Et je t'ai même montré tout comment qui signe avec cet homme qui apparaît pour le voir, le monde, pour le faire éclore. Tout ça, c'est une équipe qui t'a évité des décès et le pendant un moment à partir de la vie. En fait, c'est que dans même que ce matin, tout ça, c'est une médecine traditionnelle qui est derrière. Le monde, ça, nous devons encadrer par la formation. Toujours continue. C'est que le ministère de la Santé publique s'est voulu te dire avec le programme. Mais est-ce que le programme ça va continuer? Le programme n'a pas plus longtemps.
imaginez vous n'avez pas suivi en bas. Alors, l'important, médecine traditionnelle là, c'est commencer à la base, démarrer avec formation, former mon nom, comment être capable. Que j'ai une médecine traditionnelle là, c'est important dans la société, surtout en Haïti, que jusqu'à présent, nous sommes en retard avec la médecine moderne. Nous en retard. Très en retard. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Si nous en retard avec le ça, lorsque bon premier ministre, jouer sur le point ça, ça qui pour nous-mêmes, nous sommes capables de développer et puis pour nous capables de parler à toute éventualité. Exactement. Par exemple, il y a des gens qui parlent avec symptômes, signes, quelle fait tuberculose. Mais là, il y a des gens qui disent, moi, et puis la journée, il y a un médecin qui fait la kembile et puis il y a un atout. Carampiré. Deux, trois jours. Alors, ça qui est important, c'est jouer un encadrement pour le médecin qui fait la même pour le connaître lorsque il est venu. Pour voir l'hôpital. Les salles, ils ne connaissent que le la joie dans le tour. Ils ne connaissent la joie parce que le ça. Donc, vous comprenez. Et les salles, ils vont éviter que le cas compliqué. Parce que les gens qui ont un cas compliqué. C'est vrai, ils connaissent les gens, je ne ça. Il va faire plus que 2-3 mois. Mais je choisis que le cas. Même c'est parce que pendant 2-3 mois, il a fait comme. Mais s'il connaît, soit le traiter, soit le côté de l'hôpital, il a fait comme. Ça veut dire pas d'intérêt pour quitter mon passé de la caille parce qu'en début de tout, ils sont humanistes. Voilà, okay? Ouais. Donc, ils n'ont que tout, ils ne peuvent pas souffrir. Mais ils sont obligés de faire ça. Ce n'est pas que c'est Haïti, c'est l'homme qui pense à gêner. Par contre, c'est vrai. Alors, moi, c'est que, en conclusion, je me dis, la médecine traditionnelle, là, c'est un moyen qui est capable d'aider nous réduire et plus qu'à nos affaires santé en Haïti. Comme si nous pas de moyens pour nous. Pour nous entrer à fond dans la médecine moderne, mais avec la médecine traditionnelle, là, nous avons aidé la société à avancer, la société à surtout la question des affaires santé. Bon, et la médecine traditionnelle, la médecine moderne, dans la médecine moderne, il y a aussi un médicament que les consommés, la licorne fait gain, un pile impact négatif qui fait, conséquences quand on fait une pile fois. Mais la médecine traditionnelle, là, les que vous chita en bon zaman, descendre en tension, les que vous entité pour capable leur entité là pour capable traiter une maladie quelconque, ça est risque pour ta développer des autres complications les vin moins les que ou utiliser médecine traditionnelle parce qu'il faut pas comprendre mais c'est yo fait à base de plantes mais yo bien que l'autre produit chimique pour conserver pour conserver les produits chimiques ça bien qu'elle guérir mais tout il y a des conséquences négatives de venir poser des problèmes à la communauté. Bon, en Haïti, face avec problème, avec pauvreté que nous gagnons la caille noire, nous gagnons plus d'intérêt pour que nous fassions médecine traditionnellement avancer. Alors là, je pense que c'est un message que nous pourrions directement par le ministère de la Santé publique pour avancement, aider, encadrer, faire une formation avec les gens qui travaillent dans la médecine traditionnelle en Haïti. Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on fait un recensement des petites personnes qui travaillent dans la médecine? De toute façon, monsieur, nous n'avons pas qu'à faire tout le bagage. Mais nous assurons en tant que citoyens pays, en tant que futurs médecins, donc nous faisons partie par nous. Si vous ne connaissez pas suffisant, postez une vidéo sur YouTube, postez sur Facebook. Donc ce n'est pas suffisant pour nous sensibiliser, ministère de la Santé publique, pour nous sensibiliser la population. Mais nous estimons que c'est un problème majeur et que chaque citoyen a droit de gagner participation. Pas de la droite, donc nous assurons que nous faisons partie par nous. Et nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous sommes prêts à aider gratuitement, s'il vous plaît, dans la formation de nos amis. Nous sommes prêts à aider le ministère de la Santé publique, parce que c'est des tas de d'école pour nous. Donc, nous devons les populations en retour pour nos magasins. Et parmi nous, nous sommes prêts à investir temps, investir connaissances, et même économiquement, ça nous gagne, nous aider les populations, aider former nos amis. Parce que c'est un sujet qui est assez important. Donc, nous disons, fait message d'arrivée, MSPP doit encadrer les gens qui font médecine traditionnelle. Pour ça, on a bien un indice sanitaire qui est plus élevé, une couverture sanitaire qui est plus large. Santé la caille. Une expérience qui a continué.